L'échéance de la présidentielle de 2021 approche à grands pas. Pendant que certains partis politiques peaufinent les stratégies dans leur état-major, certaines franges de la classe politique se livrent à des propos tendancieux qui, à la limite, visent à troubler la paix. Face à cette situation qui ne doit être banalisée, il faut agir, surtout en cette période préélectorale et électorale. Le contexte et la période s'y prêtent parfaitement. Contexte parce que la réforme du système partisan au Bénin continue de connaître quelques difficultés de mise en œuvre et les populations à la base ne parviennent toujours pas à faire la part des choses. Du coup, il est toujours facile de les amener à des exactions qu'elles pourraient regretter plus tard. Période parce que les campagnes électorales sont pour bientôt. En la matière, Parakou est reconnu comme un foyer de tension et les politiciens en abusent à dessein. On doit réussir à enterrer définitivement cette image de nous. On peut bien ne pas apprécier une situation et choisir une forme honorable pour exprimer les ressentiments. Madame la Première Vice-Présidente, c'est ce qu'il m'a paru important de dire en signe d'accompagnement à cette noble mission que vous accomplissez. Pour étouffer tout appel à la révolte populaire, presque toutes les sensibilités de la couche sociale étaient présentes à la salle de réunion de la mairie de Parakou. Nous sommes ici pour inviter les chefs d'établissement, les leaders religieux, les parents, tous ceux qui, de près ou de loin, ont des adolescents à leur charge, sont venus ici pour leur dire que rien ne dépasse leur vie. Que pour les élections qui s'annoncent, nous voulons que tout se passe bien. Nous voulons qu'il y ait élection dans la paix et la protection des vies. Nous ne voulons plus qu'Assamel, Parakou, Bantem, après les élections, nos enfants tombent. Nous ne voulons plus qu'il y ait des emprisonnements. Nous voulons que tout se passe bien. Et il est possible que tout se passe bien si dès maintenant, nous ne commençons pas à parler à nos enfants. Si dès maintenant, les mamans mettent en garde leurs enfants. Si dès maintenant, les papas jouent leur rôle. Si dès maintenant, les directeurs d'établissement dans les collèges et lycées parlent aux enfants de la nécessité de la paix et de la nécessité pour eux de préserver les vies. Cette noble mission à laquelle la première vice-présidente de l'Assemblée nationale s'investit, elle entend la poursuivre partout où la paix est menacée afin d'étouffer les germes de violence dans le cœur des citoyens, souvent manipulés.